C'est YuCraft MCV, donc aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft Pocket Edition de la 0.13.0 Alpha Build 5. Ouais, déjà Alpha Build 5, donc ce sera dans la description, mais j'allais pas avoir fait des vidéos parce que disons que le mois de novembre a été très occupé pour moi parce que il y a eu des anniversaires, notamment celui de ma mère, et d'autres événements, genre voilà, des trucs. Enfin, d'autres événements, les cours ont repris, des trucs comme ça. Donc, on va tout de suite commencer avec les nouvelles choses, tiens. Notamment, ce que vous savez déjà, normalement, je crois. Vous avez vu la nouvelle vidéo de Queen, c'est normal. Vous savez ce qu'il y a, mais on verra après. Alors, donc, paramètres, donc, on peut voir qu'il y a utilisé LAN, donc, je sais pas ce que c'est. Ah oui, il n'y a plus marqué local, il n'y a plus marqué au local. Alors il y a des nouveaux skins, pour le 11 novembre. Le colon, le genre de mini-guerre. Et des skins d'abus de la 0.12.3. J'aimerais bien plus souvent, mais bon, j'ai plus. Après, normalement, rien de nouveau. Ouais, voilà, rien de nouveau. Donc, ici, rien de nouveau. Alors, les serveurs RBG marchent. Même si j'ai marqué 0.12.1, ça marche. Il y a des rangs en rappel. iPixel Pocket marche aussi. Par contre, Cookie, Cookie Bull ne marche pas. Et voilà. Voilà. Bon. Je vais faire une petite ellipse le temps de préparer la map. Bon, c'est pas. N'oubliez pas au titre, hein. C'est le démon, ben c'est normal. Donc, petite ellipse et action. Là, je suis dans le monde, il est prêt. Donc, je vais vous présenter cette 0.13 qui a l'air. Franchement, elle est pas mal. Donc on commence tout de suite, je vais vous montrer plein de petites choses, plein de petits systèmes que j'en ai inventé, un seul de petits systèmes que j'ai inventé, un système, un seul voilà quoi, hein, c'est bon, tu vas dire, yo, t'aurais pu faire plus et tout, oui bon, Vogel, ok, Focal, hein. Non, je rigole. Donc je vais vous montrer un petit système que j'ai inventé moi, et voilà, bon, alors on va commencer, donc ça c'est une lampe de redstone, c'est simple. Quand on fait ça, hop, ça s'allume. Quand on fait ça, ça s'éteint. Ça, c'est une torche de redstone. Et donc, la redstone aussi. Ce qui s'étend à pas plus de 15 blocs. Ça, c'est des rails déclencheurs. Enfin, je crois. Attendez. Ouais, rails déclencheurs. Et ça, c'est rails de détecteur, ça. Mais c'est bizarre, c'est que quand ça fait des bruits de laine. C'est bizarre. Bref, donc je ne sais pas à quoi servent les rails déclencheurs. Donc voilà, hop, ça s'allume. Comme on peut voir. Voilà. Alors, les portes de couleur et les plaques de pression. C'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Par contre, ça bug un peu, vous pouvez voir. Voilà, ça met du temps un peu à se fermer, voilà. Et je trouve ça franchement pas mal, les portes. Parce que c'est... C'est mieux de passer comme ça, de faire autre chose. Ou de toujours ouvrir et tout, c'est mieux. Puis les portes de couleur, je les attendais tellement. Ça, je les voulais, les portes de couleur. Donc maintenant, on passe à la trappe de fer. Qui marche qu'avec un levier. Un petit bloc-note. J'espère que vous entendez. Bon, voilà. Bon, moi, c'est un petit système que je viens de faire, hein, c'est avec des crochets et du fil. Donc, le fil, il se trouve ici. On peut y poser une petite ficelle, voilà. Donc, hop, voilà. Hop. Par contre, ça se voit un peu, mais voilà. Si vous voulez le cacher, c'est simple, vous mettez ça sous terre. Vous faites comme ceci, hein. Vous faites pas chier, non, vous faites ça. Hop, hop. Wow, Akuno.
qu'on nous veut m'aider à faire la vidéo, c'est ça? Plagier la vidéo. Puis ça marche aussi. Non, ça marche pas. Bon, ok, mais je suis nul en personne. C'est ce qu'on va dire. Donc, les portes de. Donc, j'essaie de faire avec les couleurs et tout. Puis hop, vous voyez. Hein. Petit bouton en bois. Petit bouton en pierre. Connard. Petit bouton en pierre, voilà, pour sortir. Donc, ceci est des. Ça, c'est un capteur de lumière. On peut l'allumer ou l'éteindre. Donc, j'ai fait un petit système Redstone avec ça. Il y a des lapins. Il y a des lapins noirs. Que j'ai réussi à faire spawner, je sais pas. J'ai réussi à faire spawner que deux. S'il te plaît, n'habite pas les lapins noirs, fils de. Oh là là. Et là-bas, il y a un petit système. Donc, c'est simple. Quand il fait nuit, les lampes s'allument. Alors quand il fait nuit, les lampes s'allument, me dire ouais et tout, ouais, mais il y a des heures dans Minecraft. Alors c'est ça. Je vous recommande de mettre 1, 2, 3 et 4 de redstone. Vous mettez un bloc, vous faites un inverseur. En gros, vous mettez une torche de redstone comme ça. Puis quand ceci est genre éteint, vous voyez, ça s'éteint. Quand je fais ça, vu qu'il n'y a pas de lumière, et du coup ça s'allume. Vous voyez ? Un coup, nous, on va s'amuser. Les coffres piégés, oui, les coffres piégés. Donc, je sais pas si vous arrivez à reconnaître ceux qui sont piégés et ceux qui sont pas piégés. Donc, celui est piégé, celui. Celui-là est piégé, ceci, oui, oui, et oui. Non, et non. Donc, il est un peu rouge, hein, comme vous pouvez voir. C'est simple, et puis voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit piège redstone. Avec un arbre. Je pense que vous allez l'adorer. Donc vous prenez un arbre. Une pousse d'arbre. C'est là. Prenez un arbre, comme ça. Prenez de la bonne mille, si vous êtes en créatif. Là, on peut le faire en survie, mais... faut qu'il y ait déjà un arbre. Préparé, bien sûr. Vous faites pousser l'arbre. Attendez, donc... là, on va prendre quoi? Donc, il vous faut un bouton. En bois de préférence. Une plaque de pression en bois de préférence. De la TNT. Hey, bon. Bon, bref, on va faire pousser cet arbre. Donc, regardez, hop. Ah merde, attendez. Hein. La bonne mille fait des petits trucs comme ça, se plus. Vous voyez? La bonne mille fait des petits trucs comme ça, là. C'est trop bien. Bon, bref, donc vous prenez comme ça. Un arbre un peu plus grand de préférence, tout le monde. Pousser un géant. Voilà. Bon, ça va pas marcher, mais vos gueules. Donc c'est simple. Vous creusez autour de l'arbre. Bon, voilà, vous avez creusé autour de l'arbre. Attends, je vais baisser un peu ça. Vous creusez une deuxième fois. Donc dans Minecraft, les boutons sont assez arbitraires. On peut les placer comme ceci. Ce qui est pas mal pour notre système redstone. Et voilà. Bah, après, vous faites ceci. Vous mettez la TNT en dessous. Une fois que vous avez mis la TNT en dessous, et bien avec de la grasse, des blocs d'herbe, vous rebouchez. Et là, on va faire une petite mise en scène. Hakuno le Kiku, viens ici. Hakuno le Kiku. Le Kiku. Ouais, vas-y, bon, bah, petite ellipse alors. Hein. Hein. On a notre cobaye. Hakuno le Kiku. Ouais. C'est ce mec qui est à Kiku. Ah. Aïe. Ah, par contre, on en survit, hein, donc il va mourir, je crois. Et oh, non, arrête. Bon. Je vais te montrer mon talent. Oui, mais je sais que. Non, mais s'il te plaît. Bon, maintenant, tu vas te diriger vers l'arbre. Il va le couper, il est content. Mais pourquoi tu tombes dans le trou? Non! Hakuno le Kiku est mort. Pourquoi est-il tombé dans le trou? Nous le saurons dans le prochain épisode. Bon. Donc revenons à nos moutons. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like.
un petit commentaire. Hein. Donc Akono va me taper, non, bien sûr. Hein, c'est un petit casse PVP. Hein. Putain, oh je. Oh, putain. Je bug. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, petit like, commente. Putain, mais j'en ai marre. Moi aussi je lag. Bon écoute, on arrête. Hein. Si on lag tous les deux. Non, mais j'arrive pas à me concentrer là. Donc sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Chose. Ah merde, j'ai retourné l'écran. Ah pardon les amis. Pardon. Vous avez vu, je crois, un écran à l'envers. Oui. Non. C'est que pendant la séquence que PVP en fait. Bon allez, tchuss là, ça fait déjà 11 minutes. Allez, je vais te niquer. Non, non. Kikou. Tchuss. Ah, attendez. Ouais. Tchuss les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.